Où ça? Nous allons commencer avec un premier orateur, M. Jean-Jacques Nicolaï, un jeune retraité qui se lance dans la politique et qui commence à faire des discours. Mais il sera bref. Je m'appelle Jean-Jacques Nicolaï, militant MoDem de Corse, habitant le quartier de Loupine et mes origines sont à Tox. Mais comme beaucoup de Corses, je suis né à Marseille. J'ai fait des études d'histoire et géographie à Aix. Et j'ai effectué l'essentiel de ma carrière professionnelle à Marseille. Je suis retourné en Corse, voilà maintenant 13 ans, quand je me suis aperçu qu'ailleurs, il me manquait toujours, il manque à Wazen, à Lingua, à Yen, à Digui, ils ont valor, qui fagent le dîmo et ciò che nous imo. Fieri de ces gorsos, comme nous imo, fieri stasera de ces bastiens. Ben, parce que le respect de la vie et de l'homme ne se discute pas. Parce que toutes les sensibilités politiques ont le droit de s'exprimer, nous dirons toujours non à la bipolarisation du débat public. Mes chers amis, la terre du ghetto n'est plus supportable. Le ghetto ou la réserve dans laquelle on a voulu enfermer cette équipe de jeunes enthousiastes, dynamiques, qui arpente les trottoirs de la ville depuis quelque temps, vous savez, ce sont les militants de Sylvain Fanti. Fanti, vous savez ce que ça veut dire, ce sont les fantassins. C'est une armée, un ordre de marche. Ces jeunes-là, regardez-les bien, dans quelques années, un mandat, peut-être deux, quand nous serons à la maison de retraite, nous, les sexagénaires, pas toujours sexy, eux, ils seront aux affaires, aux manettes, à la mairie et aux autres postes pour des mandats électifs. Mes amis, je voudrais vous entretenir de quelque chose qui me préoccupe. Il nous reste moins d'une semaine avant le premier tour. Et nous avons un petit déficit de voix si l'on en croit les sondages. Peut-on croire les sondages ? Il y a une polémique qui a éclaté ces jours-ci avec le magazine Corsica, qui est un magazine sérieux, sur leur page Facebook. Il semblerait que certains médias, ceux qui ont commandé le sondage, auraient omis de présenter le troisième volet du sondage, c'est-à-dire le comportement des électeurs en cas d'alliance plus ou moins contre nature, plus ou moins improbable. Donc, il faut prendre avec précaution tout ce que l'on dit dans ces sondages. Je voulais vous dire que on a classé les abstentionnistes dans une marge de 15%. Or, si l'on prend le soin de vérifier les élections précédentes, si on remonte à deux mandatures en arrière, on se rend compte qu'il y a une constante d'abstentionnisme à Bastia qui est de l'ordre de 30%. 36% aux dernières législatives. C'est énorme. Vous savez, dans les abstentionnistes, je classe aussi ceux qui votent blanc, ceux qui votent nus, les petits plaisantins qui mettent des bulletins fantaisistes. Et on atteint ce chiffre-là qui est énorme. On me dit tous les jours, non, mais pour les municipales, ça va être différent. Ça va être exactement la même chose. La moyenne, c'est 30%. Dans notre vie, les finances publiques. Monsieur Gilles Rougon.
Mesdames, messieurs, c'est une grande joie pour moi de me retrouver en cet endroit et d'y prendre un instant ma parole. Je me réjouis de me retrouver ici, au milieu d'une assemblée si nombreuse, parmi laquelle sont représentées toutes celles et ceux qui sont et font votre magnifique ville. Je sais qu'une campagne politique peut parfois sembler mesquine et même stupide. Et cela donne beaucoup de matière aux cyniques qui nous disent que la politique n'est rien de plus qu'un concours d'ego ou le domaine des intérêts particuliers. Mais en parlant avec toutes celles et ceux que nous avons rencontrés lors de cette campagne, nous découvrons quelque chose d'autre. Nous découvrons la détermination pour le changement, la fierté de notre ville. C'est pourquoi ces élections importent. Ce n'est pas mesquin, c'est grand, c'est important. Je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. Je ne suis pas venu, Bastiaise et Bastier, pour pleurer avec vous sur les malheurs de notre ville, car Bastia n'a pas besoin de nos pleurs. Je ne suis pas venu pour m'apitoyer sur notre sort, parce qu'il est d'abord entre nos mains. Nous sommes supérieurs à la somme de nos ambitions individuelles. Je suis venu aujourd'hui vous parler de Sylvain Fanti. J'ai rencontré Sylvain à Rose Ponti. J'ai rencontré un homme qui aime éperdument sa ville, qui, comme la belle voix dormant, n'attend que de retrouver le souffle de vie. Votre présence ici donne un exemple impressionnant de ce que peut l'initiative d'un homme qui voit juste et dont les idées sont servies par une inlassable ténacité. Sylvain est le symbole du courage, de l'énergie au travail, de l'esprit d'initiative doublé d'un remarquable sens pratique et d'un sens averti de l'avenir. Il se dégage du parcours de Sylvain une haute leçon. Il faut que moins que jamais, nous ne nous laissions aller au renoncement. Qui n'avance pas, recule. Je suis persuadé que vous tous qui m'écoutez le comprenez parfaitement. Sylvain s'applique à bien voir ce qu'il regarde, à bien entendre ce qu'il écoute. Il est sincère dans ses paroles et diligent dans ses actions comme dans ses doutes. Une intensité émotive. Une victoire du courage sur la timidité est secondaire. Le 23 et le 30 mars, votez et faites voter Sylvain Fanti. À présent, j'appelle une jeune femme dynamique, consultante en BTP, qui va vous parler de problèmes qui touchent la jeunesse. À tous. Je m'appelle Isabelle Béraldi et je suis bastiaise de naissance. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans le BTP. Et ce soir, vraiment, je suis fière d'être ici avec vous. Je suis fière de voir que vous avez répondu à l'appel. Et je suis fière de soutenir Sylvain Fanti pour sa campagne. Alors pourquoi soutenir Sylvain Fanti ? Au-delà de toutes les qualités humaines qu'on lui connaît. Pourquoi Sylvain Fanti ? Parce que c'est le seul candidat qui propose des solutions, au-delà de faire des promesses. Au problème du chômage, Sylvain Fanti répond par le projet de la zone franche des quartiers sud de Bastia. Alors que les commerces de notre centre-ville sont à l'agonie, Sylvain Fanti veut mettre en place au service de la ville toutes ses compétences et tous les outils possibles pour aider à la création et au maintien de toutes les ressources et de toute l'activité économique. Au problème du logement, pour les familles les plus modestes, Sylvain Fanti répond par l'accès à la propriété de son logement social après 20 ans de résidence. D'ici là, continuons à mobiliser tout le monde derrière Sylvain Fanti. J'appelle à présent quelqu'un qui a raté sa vocation. Il est chef d'entreprise, mais je le connais bien. C'est un tribun né. Il est le régional de l'étape, enfant de Loupine. Gaëtan Bracone. Bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à un ami. On n'est pas du même parti,
mais ça reste un ami. Donc, j'ai grosse pensée à sa famille. Et comme c'était un homme qui n'avait pas sa lampe dans sa poche, je ne veux pas une minute de silence, mais je veux vraiment une ovation pour Pierre-Louis Bonjolet. Merci. Bon, je vais vous faire bref ce soir. Le 23, c'est les votes. Là, vu le nombre que vous êtes ce soir, je pense que vous avez été convaincus du travail de Sylvain et de toute son équipe. On peut lever les drapeaux, on peut applaudir. Parce que là, je vous vois un peu endormi. Et donc, vu que vous avez été convaincus, je compte sur vous le 23, à être présent, à convaincre des gens de votre famille, et d'aller voter, et de lever haut les bras, de dire notre mécontentement. Mais il faut que vous soyez présent le 23. Et là, je veux un peu plus d'ambiance, parce que là, je vais accueillir notre Sylvain. Donc je veux un applaudissement, un accueil comme il se doit. Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Si j'ai bien compris, par rapport à la dernière fois, d'ici 5 minutes, l'alarme va se déclencher. Mes chers amis, Bastiez, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite de cette campagne. La dernière réunion publique, avant le grand rassemblement de ce dimanche, qui nous mènera à la victoire, qui nous permettra d'écrire la première ligne de la nouvelle histoire de Bastia. Ce soir, je n'ai pas envie de mettre de forme sur les sentiments. Ce soir, j'ai envie de vous parler avec cœur, parce que je suis en confiance avec vous, parce que sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Je vous dis merci. Merci parce que je prends la mesure du chemin pour en arriver là. Je vous dis merci car ce soir, vous avez répondu présent à mon appel. J'ai donné rendez-vous aux Bastiais que l'on n'entend jamais parce qu'on ne leur donne jamais la parole. J'ai donné rendez-vous ce soir aux jeunes de ces quartiers qui souffrent de l'image qu'on veut leur donner. J'ai donné rendez-vous aux habitants de ces quartiers sud qui en ont assez que l'on parle en leur nom avec des idées qui ne sont pas les leurs. J'ai donné rendez-vous aux citoyens de cette ville à qui on explique dans les médias, bien que l'élection ait déjà joué. Ils pensaient que vous ne viendriez pas. Le Bastia silencieux a répondu présent ce soir. Toujours dans l'émotion, je suis fier de vous dire que l'avenir de la ville sortira de ses quartiers sud.
et que nous allons créer ici les conditions durables de la réussite pour une population jeune, talentueuse, qui a soif de réussir. Une population qui est à des années-lumière de l'image qu'on souhaite lui donner. Non, les habitants des quartiers sud ne sont pas désassistés. Non, ils ne sont pas condamnés à l'échec et à la misère. Je suis finalement le seul à entendre leur colère, parce qu'ils savent bien qu'on ne crée pas de la richesse avec des bons alimentaires. Mais ils savent bien également que l'on ne crée pas d'emploi avec une simple notion d'espoir. Oui, je suis jeune. Oui, je n'ai pas d'expérience en politique. Mais finalement, et si j'ose dire, je n'ai surtout pas cette expérience des autres candidats qui ont tous participé aux responsabilités de ce pays et qui ont tous échoué et contribué à nous placer dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je suis le seul, et je regrette de répéter, des 7 candidats à être chef d'entreprise. Le seul à avoir cette expérience fondamentale de créer des emplois et de me lever chaque matin pour les défendre. Je ne suis pas là, que ce soit très clair, pour vous vendre du rêve. Je suis là pour construire avec vous un futur où l'espoir permet de faire reculer la peur de l'avenir. De façon réaliste, et parce qu'il faut être dans le réel, et sans que cela ne coûte rien à personne, parce que nous n'en avons plus les moyens, je vous propose, en tant que maire de Bastia, de créer ici même, dans ces quartiers sud, une zone franche qui permettra, pour les 5 années à venir, de ne payer ni impôts ni taxes pour les commerces existants et ceux à venir. Cette zone franche permettra également de construire une maison de la santé qui améliorera le quotidien de tous et surtout des plus démunis. Cette zone franche sera également le point de départ de la résurrection de la disparue technopole de Bastia. Il faut le dire, la technopole était une bonne idée. La mairie avait bien agi en la créant. Mais, comme à chaque fois, elle n'est pas allée jusqu'au bout des choses. Elle ne lui a pas donné les moyens d'exister. En tant que maire, j'irai chercher, ici même, en France, en Europe ou dans le monde, des entreprises à haute valeur ajoutée, et on entend parler de Google, on entend parler de Free, qui viendront nouer avec le système éducatif et le tissu d'entreprise locale des liens durables. La zone franche est une réalité. Chaque habitant pourra dire qu'il contribue à respecter l'environnement. Oui, je souhaite que pour la première fois, Lupino et Montesoro aient un coup d'avance sur le reste de la ville. Je veux que vous soyez valeur d'exemple pour nous tous. L'amélioration du cadre de vie, vous l'aurez compris, est une réalité. Je veux les rassurer et leur dire que nous avons le meilleur plan de fermeté dans cette élection. Je suis Monsieur Sécurité. La sécurité pour les Bastiais est une réalité. Au final, zone franche urbaine, écoquartier, accession à la propriété, ce sont des armes à votre disposition pour que vous deveniez acteur de votre ville, acteur et moteur de cette cité. Ce sont des armes qui vous permettront de tirer profit d'ici à 15 ans de l'émergence du port de la Carbonite, que j'appelle de mes voeux et qui finira de rééquilibrer Bastia entre son centre historique et ses nouveaux quartiers sud. Le port de la Carbonite est une réalité. Finalement, ici, comme dans la vieille ville, la même force, la même émotion profonde se dégage
d'un peuple qui veut retrouver sa fierté. Je sais que chacun est capable de faire beaucoup pour sa ville. Je veux rendre fier chaque Bastien dans chacune de ses actions, dans chacune des initiatives. Je défends le Bastien qui regarde vers l'avenir, le Bastien qui choisit le progrès, le Bastien qui veut se mettre au service de toute la Corse en tant que capitale économique. Ce Bastien, c'est votre Bastien. Pourquoi vous hésitez à voter Jean Soucaré? Vous avez envie de respirer un nouvel air dans cette ville. Le changement est quelque chose de sain. Et je vous le dis, porter le prénom de son illustre grand-père ne suffit pas à vous en attribuer les qualités. Les élections ne se gagnent pas grâce aux procurations 400 ou à la transhumance électorale des communes amies de Paul Jacobi vers Bastia. Les élections se gagnent avec un programme et des propositions pour les Bastiais. Jean Soucaré ne mérite pas d'être maire de Bastia. Oui, mes amis, il faut en finir avec cette pièce de théâtre politicien, en finir avec les propos puants, les débats vides de sens qui tuent la politique à petit feu. Ce dimanche 23 mars, ne faites pas un choix par défaut. Ne choisissez pas le candidat le moins mauvais. Ayez l'audace des Ajacciens qui ont élu un député de 34 ans. Osez le changement. Faites le choix de la compétence. Soutenez une nouvelle génération consciente de ce que Bastia, de ses traditions, de son histoire, de ses attentes profondes. Ce soir, j'ai besoin que vous rassembliez toutes vos forces pour Bastia. Bastiaise, Bastiais, prenez votre destin en main. Levez-vous. Prenez la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous voulez pour votre ville. Dites-le haut. Dites-le fort. Dites-le maintenant. Bastiaise, Bastiais, ils ne gagneront pas si vous décidez de gagner. Force à Bastille. Et vous ici. Et on va aller boire ensemble le verre de la réussite, le verre de la victoire. Venez, le buffet juste à droite, profitez-en tous.